Bonjour, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, on poursuit sur le thème Monarque. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un format, une idée de format que j'ai eue. Où est-ce qu'on bâtit un deck de 60 cartes singleton, c'est-à-dire une copie de chaque carte. Puis c'est un Planeswalker, qui est un peu comme le Commander, le Monarque. On doit respecter l'identité du Monarque. Et contrairement à Commander, il ne retourne pas dans la zone, la Command Zone. Quand il est mort, c'est des rivières qui sont au moyen de le ramener, on le ramène. Parti à 30 points de vie, vous pouvez voir là, sur la chaîne, il y a la vidéo. Puis le Monarque est toujours en jeu. Donc, j'avais fait un premier deck de Saproling vert et noir. Évidemment que son Monarque va être Vraska, je viens de l'avoir. Cette semaine dans les spoilers de Guild of Ravnica, on dirait qu'ils l'ont fait pour cette deck là, une deck de Saproling qui pour l'instant était avec le champignon de Dominaria, le fungus de Dominaria, j'ai oublié son nom, mais il va être piloté par un Planeswalker. Je vais me concentrer pour faire des decks avec des Planeswalkers. Donc celui d'aujourd'hui, le deuxième que je fais, évidemment le but c'est d'en faire 4. Puis après ça, de faire des tests. Vous montrer ce que ça a l'air. Donc, j'ai pris Tezzeret de M19. Donc, 5 mana, 5 loyauté. À plus 1, on crée un torteur. À 0, on pige une carte. Si on contrôle 3 ou plus artefacts, on pige 2 cartes. Et à moins 9, on a un emblème. Au début de la fin du tour, je cherche la librairie pour une permanente et je la mets sur le battlefield et je rebrasse après. Donc évidemment, je suis allé avec un deck de torteur. J'essaie de me mettre un petit peu combo. Je vous le présente tout de suite. Donc on commence avec un torteur squadron qui coûte 5 colorless, 0-0 flying. Il vient avec 3 plus 1 counter. Paye 1, enlève un counter, met un torteur en jeu, c'est une 1-1. Et je paye 1, sacrifie un torteur, puis je mets un counter sur le squadron. Sur le squadron, fait que je peux promener mes torteurs avec ça. Efficient Construction, à toute fois que je joue un artefact spell, je crée un torteur token. Une des façons de gagner, Mechanized Production, enchant un artefact que contrôle. Si au début de ton upkeep, tu contrôle 8 ou plus artefacts avec le même nom, tu gagnes la partie. Donc évidemment, on met ça sur un torteur. Torteur Spy Network. Au début de ton upkeep, si tu contrôles un artefact, tu fais un token. Puis si un ou plus de tes créatures fait du combat damage, quand une ou plus de tes créatures fait du combat damage, tu piges une carte. On a également un Torteur Assembly qui est une 5-5 pour 6 colorless flying. Au début de ton upkeep, si tu ne contrôles pas de torteur autre que l'Assembly, tu le retournes dans la main et tu mets 5 colorless torteur token sur le battlefield. On a un peu de tutor pour booster nos torteurs en cas de besoin. Un Master of Eternium. Power and Toughness égale au nombre d'artefacts. Et mes autres artefacts que je contrôle ont plus 1 plus 1. On a également le Chef de la Fonderie. Et les autres artefacts gagnent plus 1, plus 1. 2, 3 pour 3. Padim, pour les protéger. Les artefacts qu'on contrôle ont X-Proof. Au début de l'upkeep, si je contrôle l'artefact qui coûte le plus cher ou égal, je pige une carte. On pige beaucoup de cartes, je pense, dans ce deck-là. Évidemment, l'inspecteur de la fonderie, les artefacts coûtent 1 le moins. Un Ethereum Sculptor, les artefacts coûtent 1 de moins. Vous allez voir, il y a quelques petits combos après ça que j'ai rajouté. Expedition Map. Un mana, 2 plus tap, sacrifie, va chercher une land card et shuffle. La librairie. Trading Post, 4 mana, colorless. 1 plus tap, discarte une carte, gagne 4 points de vie. Pas pour cette habilité-là, on l'a mis. La deuxième habilité, 1 mana plus tap, paye 1 point de vie, met un 0-1 White Goat Token. C'est pas non plus pour ça. Les deux dernières, par contre, 1 plus tap, sacrifie une créature, ramène l'artefact de ton graveyard dans tes mains. Puis 1 plus tap, sacrifie un artefact, pige une carte. Nos torteurs peuvent aussi servir à d'autres choses. On a un peu de tutor avec Fabricate. On révèle, si tu cherches un artefact, tu le révèles et tu le mets dans tes mains pour 3. Glint Nest Crane, flying 1-3 pour 2. Quand il arrive en jeu, tu regardes les 4 premières cartes, tu révèles un artefact, tu le mets dans tes mains et le reste en toute librairie.
Encore un petit peu de card draw, il y en a peut-être un peu trop. Ça va peut-être être une des premières qui va s'en aller. Deux bleus, deux colorless. Quand tu joues un artefact spell, tu piges une carte. Sage of Latnam de Dominaria. Je pense que j'en ai un d'Alliance. Puis je vais sûrement le changer pour un vieux. Tap, sacrifie un artefact, pige une carte. Une des façons de gagner, c'est avec un Chimeric Coil boosté à plein. X plus 1 devient un XX, artefact créature, tu sacrifies à la fin du tour. Fait que si on est capable de générer assez de mana, on peut en faire un gros. Évidemment, un Broadstar, Affinity for Artifact, coûte 1 de moins pour chaque artefact qu'on a en jeu. Flying, puis il y a Power Toughness égale au nombre d'artefacts qu'on contrôle. The Antiquity Wars, une saga. 1 et 2, tu regardes les 5 premières cartes de librairie, tu peux révéler un artefact, le mettre dans tes mains, mettre le reste en dessous. Après ça, les artefacts que tu contrôles deviennent 5-5 jusqu'à la fin du tour. Donc si on a un paquet de porteurs 0-1, ben, ça devient des 5-5 flying. On a aussi un peu de, comme la majorité de nos créatures sont flying, ceux qui ne le sont pas vraiment nécessairement là pour attaquer. J'ai mis un Gravitational Shift. Ça va-tu rester là? Je ne sais pas pour l'instant. Créature with flying, plus 2, plus 0. Créature without flying, moins 2, moins 0. Ça peut nous protéger. Je voulais jouer avec Nexus of Fate. Tu gagnes un extra turn après celui-là. S'il est mis dans le graveyard de n'importe où, tu le reshuffles. J'ai aussi mis un Magistrate Scepter. Coûte 3. 4 plus tap, tu mets un charge counter. Tu removes 3 charge counter, tu prends un autre tour. Évidemment, on a des combos plus durs à faire pour se rendre à mana illimité, mais ils sont là pareil. Scrap Trawler, coûte 3-3-2. Quand lui ou un autre artefact qui est dans le graveyard du Battlefield, tu peux ramener un target artefact qui coûte moins cher dans tes mains. Cogwork Assembler, coûte 3-2-3-7. Tu copies un target artefact puis il gagne haste. Jusqu'à la fin du tour. Donc ça, c'est ceux qui connaissent, c'est parti du combo avec la Power Stone qu'on va voir plus tard. Mais en fait, quand tu as assez de mana, tu peux copier. C'est un bon mana sync. Tu peux copier des artefacts. Raito Lantern, coûte 2. 3, tu ramènes une créature, une carte du graveyard en dessous de la librairie. Si une de nos pièces clés est discartée, détruite, ça nous permet de la remettre en dessous de la librairie. Évidemment, une Voltaic Key. 1 plus tap, on tap, target artifact. Shady Ancestry. Coûte 4 plus 2 bleus. Choisis un ou deux, crée un token, crée un artifact, quand on veut faire d'autres topteurs, ou une créature, mais c'est un artefact en plus. On pourrait s'avancer avec deux Broadstar, mettons. L'original, c'est il est juste là parce que c'est l'original. Edge Champion, protection de toutes les couleurs si tu as 3 plus artefacts. Fait que, ça fait un petit poker à chaque tour facile. Torrential Gearhulk, évidemment. 5-6 pour 6 flash. Quand il arrive sur le jeu, tu peux jouer, tu peux caster un instant sans payer son mana cost et l'exiler. Ça donne une deuxième vie à certaines cartes. Skill Borrower. 1-3 pour 3, tu joues avec la top card révélée de ta librairie. Puis, tant que c'est un artefact ou une créature, Skill Borrower a les habilités de. Oui, tout le monde sait ce que tu vas piger, mais Colin, ça peut. Ça donne une carte de plus, en fait. On rentre avec Isoconcepteur. 2 Imprint. Quand tu le joues, tu peux enlever un instant qui coûte 2 ou moins de la game. De tes mains de la game. Fait que tu payes 2 plus tap puis tu copies l'imprint. Fait que vous allez voir que là on rentre dans la section de cartes qu'on peut mettre avec. J'ai mis un redirect. Coûte 2, choose new target pour un spell. Fait que c'est un isocon, c'est tout le temps un redirect. Une clé du puzzle, Dramatic Reversal, que tu veux. Moi, en tout cas, quand je vais jouer, la carte que je vais mettre sur l'isocon, c'est celle-là. Parce que pour 2 mana, je ne tape toutes les non-land permanents. Ça veut dire toutes mes mana rocks, puis toutes mes créatures. Call-in. Ça vaudrait la peine de mettre. Je vais mettre celui qui donne Convoke à tes artefacts. Je reviens. 2 secondes.
Donc, des fois, en discutant à voix haute, on se rend compte qu'il y a des trucs qui seraient meilleurs. Donc, j'ai changé. On va mettre un chief engineer à la place du petit redirect. Chief engineer, tous mes artefacts ont convoke. Donc, avec Dramatic Reversal sur les concepteurs, c'est qu'on paye 2 mana. On le tape, on untap toutes nos non-lands, donc on redétape tout ça. Puis si on a l'engineer avec 5-6 top terre, ben c'est 5-6 mana. Clac, 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 clac. Fait infini de mana. Preordain, Scry, Pige. Évidemment, Ponder et Brainstorm, des classiques. Counterspell. Mais sur les Ocrons, je pensais vraiment Dramatic Reversal qu'il faut aller à côté dessus. Après ça, quelques Mana Roche. Edron Archive. Sol Ring. Évidemment, avec l'Edron Touk-Touk. Power Stone Shard, qu'on pourrait copier pour faire encore plus de mana. Gilded Lotus. C'est bizarre, j'ai pas de basalte monolithe. Fait que pour l'instant, c'est un Gilded Lotus. On rentre dans les lands, Seat of Synod, évidemment, un artifact land, Darksteel Citadel, Buried Rune, qui permet d'aller chercher un artefact dans le graveyard, Mishra Factory, juste parce que ça fait un artefact créature. Inventor Sphere, évidemment, si tu contrôles 3 ou plus d'artefacts, tu gagnes un point de vie, tu add un colorless, tu peux le sacrifier pour aller chercher un artefact card. Puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 îles. Ça fait le tour pour mon petit bleu artefact Tezzeret. J'ai pas mal hâte qu'on essaye ça autour d'une table. Le prochain va probablement être un rouge direct dommage. C'était une lacune. C'est encore une lacune deck qui n'est pas très puissant en Commander. Puis moi, je veux voir dans nos playtests en Monarque, vu qu'on a moins de cartes, 30 points de vie, si ça peut être plus efficace, si ça peut avoir une chance de gagner. Puis après ça, il va me rester un autre deck à faire. Il faudrait qu'il contienne un peu de blanc. Parce que là, on a le vert noir avec des tokens. Des créatures tokens, on a le bleu artefact un peu combo. On va avoir un rouge avec du direct dommage. On va probablement mettre le gros ogre là, qui coupe les points de vie en partant. Après ça va être un blanc. Blanc-noir, life gain, vampire, blanc-noir, je sais pas. Si vous avez des idées, gênez-vous pas dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme quatrième deck? Évidemment, c'est ça, un peu de blanc, parce que j'aimerais tester les couleurs. Si vous avez encore une fois des idées de deck, il y a plein de sites où on peut faire des decks qu'on peut poster, qu'on peut sharer. Gênez-vous pas, envoyez-nous ça dans les commentaires ou sur la page de MTGQ. Ça va nous faire plaisir de regarder ça. Puis, ben, qui sait, si on a les cartes, peut-être même les tester. Fait que je vous laisse là-dessus. On se revoit une prochaine fois. Merci. Bye bye.